cette année, il avait, certes, quand on, il avait les maillots jaunes, on s'est dit, ah, mais qui c'est qui va l'épauler? Certes, sur le plat, tout allait bien, mais quand il était en montagne, il avait un coureur qui était là pour le leader, c'était Mas, et qui se muait en équipier. Mais quand on veut gagner le tour, eh ben, il faut embaucher des vrais grimpeurs autour de soi pour vraiment limiter la casse, comme ils font l'équipe Ineos. C'est bien pour ça que quand ils arrivent sur le tour, il y a un grand absent aussi, il ne faut pas oublier le grand absent, c'est Chris Froome. Chris Froome n'est pas là, il est en convalescence. Et vous avez vu derrière Chris Froome l'armada de coureurs qu'il peut y avoir, qui peuvent gagner le tour. Donc il faut quand même des coureurs de talent qui peuvent gagner pour aider un Julien Alaphilippe gagner le tour. Thibaut Pinot, il est arrivé sur ce tour-là pour gagner le tour. Malheureusement, autour de lui, c'était un peu léger. C'est-à-dire justement, Richard, quel est le coureur français le mieux placé pour gagner le Tour de France l'année prochaine? Est-ce Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot ou un troisième que vous allez nous sortir de votre chapeau? Je crois que ces deux-là nous ont montré, en tout cas, que l'avenir était proche, qu'un coureur français allait gagner le Tour. Mais pour gagner le Tour, il faut vraiment une équipe autour de Thibaut. Marc Madiot, je crois qu'il doit vraiment recruter l'année prochaine, parce que Thibaut, il est venu, il est arrivé sur le Tour en super forme, il était au top. Mais malheureusement, moi, d'entrée de jeu, quand j'ai regardé le papier, tout ça, je dis, le pauvre, il va vite esseler. Même si Gaudu était là dans la montagne, mais malheureusement, quand Gaudu était là, il restait encore 15 coureurs et c'était fini, il n'y avait plus personne derrière. Mais sur sa valeur intrinsèque, lequel des deux, pour vous, pour toi, Richard, j'y arrive pas. J'essaie de vous voyez, j'y arrive pas. Lequel des deux a le plus d'aptitude personnelle? Avec ce que j'ai vu sur ce Tour de France, je crois que Julien est vraiment capable de gagner un Tour de France. Parce que après on reste un peu sur la pédale de frein et on se tempère, mais par contre quand on envoie les chevaux, après ça peut faire très mal. Et je pense que Julien est capable de gagner un Tour. Après, vous savez, les années elles passent et il faut confirmer. Mais je crois que les deux années qui sont passées avec ce qu'il nous a fait Julien, il nous a fait un début de saison canon. Mais je peux vous dire canon, alors que je peux vous dire l'hiver. J'ai passé un moment avec lui cet hiver. Le vélo, il a pas débranché. Il a vraiment tout débranché. Donc, comme quoi, il a vraiment passé un cap. Et aujourd'hui, dans sa tête aussi, parce que moi, il me disait, mais la haute montagne, je vais voler, je vais exploser dans les Pyrénées. Et vous avez vu ce qu'il a fait? Il était là encore à faire les sprints ou à l'être avec les meilleurs dans ces étapes-là, alors qu'il s'était jamais économisé les étapes d'avant, parce qu'en général, quelqu'un qui veut gagner le tour, il va pas faire le show sur le plat, il va pas aller chercher des bidons pour ses équipes et sprinteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Julien, lui, il a donné un peu à tout le monde parce qu'il est comme ça. Donc, c'est certainement, il va falloir un peu changer sa façon de faire. Mais est-ce que aussi, il voudra gagner l'année prochaine? En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Français nous ont régalés et qu'on sent que dans pas longtemps, on va pouvoir encore rêver. En tout cas, ils nous ont fait rêver. Alors, Patrick Lefebvre, le manager de l'équipe de Conan Quickstep que vous avez connu puisque vous avez couru au début des années 2000 lorsque vous gagnez notamment Paris Tour avec l'équipe de Patrick Lefebvre qui avait un autre nom, mais disait une équipe, il faut des grimpeurs pour gagner le Tour de France et l'année prochaine, en gros, on a déjà fait notre marché, ça sera pas l'année prochaine, peut-être en 2021 qu'on alignera une telle équipe. Moi, je me souviens surtout, Richard, que vous nous disiez au micro ou même hors micro lors de conversations qu'on avait l'an dernier, vous nous disiez il a la possibilité d'ici 3-4 ans, en changeant un peu son approche, d'être vainqueur du Tour de France. Est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, c'est même d'ici 2 ans, si on se base sur ce que disait Patrick Lefebvre concernant le recrutement de son équipe? C'est vrai que j'avais donné 4 ans, mais là, je dirais 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a faim. Julien, c'est quelqu'un qui a faim et qui se fait plaisir. Et il va être dans la force de l'âge, vraiment. Maintenant, encore 2 belles années, il sera encore plus malin, il sera encore plus malicieux, et en plus il est dans le sport spectacle, ce que j'adore, et c'est pour ça qu'on s'apprécie aussi. Donc je pense que en lui donnant le temps et en lui donnant une équipe autour de soi, maintenant en plus de ça, il a pris un supporter de choix, c'est qu'il a le public derrière lui, et ça il adore aussi, hein, où le public le pousse, et l'émotion que ça lui donne, et ben ça le booste dans ses performances. Donc ça va continuer, ça va pas cesser du tout, parce que il est tout au long de l'année en train de nous faire des exploits. Donc vous imaginez un numéro 1 mondial avec la saison qu'il fait. Là il va partir la semaine prochaine autour de Saint-Sébastien.
s'il faut, il va gagner Saint-Sébastien. Après, il va relever un peu le pied. Mais bon, voilà, c'est un coureur qui se fait un peu plaisir et qui est dans le sport plaisir. Et il est jeune et il a encore le temps de gagner le Tour. On est certain. Mais Richard, il faudra une équipe autour de lui. Vous l'avez envoyé un message là pour le féliciter. Vous avez un peu échangé ou c'est plus compliqué d'échanger lorsque on a le maillot jaune sur les épaules et qu'il y a beaucoup de sollicitations, même quand on se connaît? Bon, c'est presque parler tous les jours, tous les deux jours. C'est tout, à part ça, ça va. Bon, ça va. Une dernière question personnelle vous concernant cette année, parce que l'un de vos sponsors principaux n'a pas reconduit son partenariat, vous n'étiez pas sur le Tour de France. Ça a été comment le vivre de chez vous dans le Var, ce Tour de France? Bah écoutez, je crois que le fait que Julien a brillé, que les Français ont brillé, m'ont fait vivre de super émotions, de super moments, différemment, parce que ça faisait quand même, j'ai compté 14 ans que j'étais sur la grande boucle. Donc écoutez, j'espère que l'année prochaine, je pourrai trouver, on va dire, des choses intéressantes à faire sur le Tour, parce que je suis toujours un passionné et que ça m'a manqué. Mais je l'ai vu, je l'ai vécu différemment, mais en tout cas, je me suis fait plaisir et en étant en contact avec l'idole des Français, c'était encore meilleur.